Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire des bandeaux, les bandeaux que toutes les youtubeuses ont pour se démaquiller. Donc il nous faudra une vieille serviette éponge, du rembourrage, une paire de ciseaux, du fil et une aiguille, des boutons pression ou du velcro, donc du scratch, ainsi qu'un pistolet à colle. Alors dans votre serviette, vous allez découper une bande comme ceci, de la largeur que vous souhaitez, et vous allez prendre la mesure du diamètre de votre tête et coudre des boutons ou du velcro de part et d'autre pour fermer le tout. Donc voilà, j'ai cousu les trois boutons là avec les fermoirs de l'autre sens, comme ça, ça fait comme ça quand on ferme. Et maintenant, nous allons nous occuper de notre nœud. Alors, vous allez découper de nouveau une bande, donc dans votre serviette. Et à l'aide du pistolet à colle, vous allez venir faire des ourlets. Ensuite, vous repliez le tout comme ça et vous allez coller bout à bout pour former un genre de tunnel. Ensuite, on vient former le nœud, on colle, puis après avec le coton, on vient rembourrer de part et d'autre. Puis on colle l'extrémité. Ensuite, on découpe une bande et on vient placer le centre. Et maintenant, on vient coller notre nœud sur le bandeau qu'on a fabriqué. Et voilà, mon premier bandeau est terminé. Maintenant, je vais en faire un deuxième, puis un troisième, en accéléré. Donc là, vous voyez, je l'ai fait avec du velcro et ça marche tout aussi bien. J'ai collé mon velcro avec le pistolet à colle et ça tient très 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 bien. Donc là, je ne commande plus, vous allez juste regarder les images.
Et voilà donc mes 5 petits bandeaux. J'en ai fait un sans le nœud que je vous montre maintenant en photo. Je vous fais défiler les photos. Alors oui, sur mon pull, on voit des points blancs. Ce n'est pas des poux ni des pellicules. Hein. C'est tout simplement qu'il y a un tissu qui s'est effiloché et j'en avais plein sur moi. Voilà, donc pas besoin de mettre des commentaires désagréables. Et je vous laisse regarder les photos. Désolée encore pour ces petits points blancs que je n'avais pas vus, mais que voilà, c'est là. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous fais de très gros bisous. À bientôt, ciao.